hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. Après quelques temps, tu apprendras la différence entre tendre la main et secourir une âme. Et tu apprendras que aimer ne signifie pas s'appuyer et que compagnie ne signifie pas toujours sécurité. Tu commenceras à apprendre que les baisers ne sont pas des contrats, ni des cadeaux, ni des promesses. Tu commenceras à accepter tes échecs, la tête haute, comme un adulte, et non avec la tristesse d'un enfant. Et tu apprendras à construire aujourd'hui tes chemins, parce que le terrain de demain est incertain et ne garantit pas la réalisation des projets. Et que le futur a l'habitude de ne pas tenir ses promesses. Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu t'y exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois et que tu auras à leur pardonner. Tu apprendras que parler peut alléger les douleurs de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance et à peine quelques secondes pour la détruire. Et que, toi aussi, tu pourrais faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. Tu apprendras que les vraies amitiés continuent à grandir malgré la séparation. Et que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui compte dans ta vie. Et que les bons amis sont la famille qu'il nous est permis de choisir. Tu apprendras que nous n'avons pas à changer d'amis si nous acceptons que nos amis changent et évoluent. Tu expérimenteras que tu peux passer de bons moments avec ton meilleur ami en faisant n'importe quoi, ou en ne rien faisant, seulement pour le plaisir de jouir de sa compagnie. Tu découvriras que souvent, nous prenons à la légère les personnes qui nous importent le plus. Et pour cela, nous devons toujours dire à ces personnes que nous les aimons, car nous ne savons jamais si c'est la dernière fois que nous les voyons. Tu apprendras que les circonstances et l'ambiance qui nous entoure ont une influence sur nous, mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous faisons. Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres, sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer. Tu découvriras qu'il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu désires être et que le temps est court. Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront. Et qu'être souple ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité. Car peu importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux manières de l'aborder. Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qui était nécessaire de faire en assumant les conséquences. Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique. Tu découvriras que parfois, la personne dont tu crois qu'elle te piétinera si tu tombes est l'une des rares qui t'aidera à te relever. Mûrir dépend davantage de ce que t'apprennent tes expériences que des années que tu as vécues. Tu apprendras que tu tiens beaucoup plus de tes parents que tu ne veux bien le croire. Tu apprendras qu'il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car peu de choses sont aussi humiliantes. Et ce serait une tragédie s'il te croyait, car cela lui enlèverait l'espérance. Tu apprendras que, lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit, mais cela ne te donne pas le droit d'être cruel. Tu découvriras que, simplement parce que telle personne ne t'aime pas comme tu le désires, cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas autant qu'elle en est capable. Car il y a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous le prouver. Il ne suffit pas toujours d'être pardonné par les autres. Parfois, tu auras à apprendre à te pardonner à toi-même. Tu apprendras que, avec la même sévérité que tu juges les autres, toi aussi, tu seras jugé, et parfois condamné. Tu apprendras que, peu importe que tu aies le cœur brisé, le monde ne s'arrête pas de tourner. Tu apprendras que le temps ne peut revenir en arrière. Tu dois cultiver ton jardin et décorer ton âme, au lieu d'attendre que les autres te portent des fleurs. Alors, et alors seulement, tu sauras ce que tu peux réellement endurer. Que tu es fort et que tu pourrais aller bien plus loin que tu le pensais quand tu t'imaginais ne plus pouvoir avancer. C'est que réellement, la vie n'a de valeur que si tu as la valeur de l'affronter.
Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et tire une bouffée d'une cigarette. Et les putains et les barmen et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille. Tu veux me fourrer dans le pétrin ? Tu veux foutre en l'air mon boulot ? Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe ? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps, la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là. Alors, ne sois pas triste. Puis je le remets, mais il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir. Et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer. Mais je ne pleure pas. Et vous? I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Precedent to put the words in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. We share the same biology, regardless of ideology. And what might save us, me and you, is that the Russians love their children.